だらねえとつぶやいて冷めた面して歩く。いつの日か輝くだろう溢れる熱い涙。いつまでも続くのか吐き捨てて寝転んだ。俺もまた輝くだろう今宵の月のように。Alors le 4 c'est le gros épisode de la série en fait. Enfin, pour l'instant ça va être le plus abouti et c'est normal quoi. En fait c'était déjà une mécanique assez huilée, on savait qu'on allait faire un 4 manifestement. On a changé 2-3 petites choses, des personnes qui ont quitté le projet, d'autres qui sont venues. En gros c'est surtout un énorme power-up on va dire de ce qu'on avait déjà. Donc on est parti sur le 4 aussi avec l'idée que le scénario quittait la partie un peu... routinière du Sentai pour partir vers la fin quoi. Pour terminer France 5, on a voulu faire un épisode en deux parties et donc la première partie serait cet épisode 4, donc celui qu'on vient de terminer. Dans les derniers épisodes, le scénario d'une série de Sentai passe toujours à un niveau un peu supérieur, à une vitesse supérieure. Et j'ai vraiment senti dans cet épisode 4 que le scénario entrait dans cette phase. Quand on arrive à la fin d'une série comme ça, il faut que ça soit différent. Donc, dans les deux ou trois avant-derniers épisodes, le méchant gagne. Et bon, bah, on voit les amorces dans cet épisode, les amorces qui vont montrer que les choses importantes qui se déroulent dans l'histoire et les problèmes vont se résoudre d'ici peu, quoi. Et puis, comme en plus on a acquis une petite expérience au fil des trois épisodes, ça permet de faire quelque chose un peu nouveau. Si on avait fait encore deux épisodes autour d'un personnage et d'une histoire normale, ça aurait été peut-être moins enrichissant. Perçons les secrets du Sentai avec aujourd'hui les bottes, les gants. Pour le 4, on avait décidé tout simplement d'avoir des nouveaux costumes. Nouveaux costumes dans le sens nouveau tissu en fait. On a voulu avoir du spandex à la place du lycra. Donc le spandex, c'est le tissu qu'ils utilisent au Japon pour faire les Sentai. Alors le spandex rend mieux que le lycra parce que déjà du fait qu'il n'est pas élastique dans les deux sens, on peut se permettre de faire certaines coupes. C'est plus solide, le tissu est plus épais. C'est vraiment beaucoup plus brillant que le lycra. C'est totalement différent. Donc Sébastien, d'abord, il a commandé du spandex online aux États-Unis. Et ça a été un petit peu la surprise à l'arrivée. Par exemple, le blanc n'était pas assez épais, ou telle couleur n'allait pas, le bleu n'allait pas du tout. Donc on a profité que Thomas partait au Japon pour ramener du spandex du Japon. Et donc voilà, donc ma grosse mission, c'était de trouver le spandex One Way au Japon. Et ce n'est pas une chose facile, et donc j'avais pour ça un acolyte, à savoir Bluebird. Son travail, c'est de faire des shows Sentai en live. Et donc, il connaît bien le rayon. Et c'est lui qui m'a conseillé, qui m'a emmené à Shinjuku dans une boutique qui s'appelle Toa. C'est une boutique de tissus, en fait. On trouve toutes sortes de tissus, quoi. Ouais Alex, écoute, c'est Thomas. Là, je suis avec Bluebird, on est en train de faire des achats. Alors, est-ce qu'on prend du 7 mètres de blanc et 3 mètres de argenté ou 10 mètres de blanc? Avec ça, on se sent très puissant. Oui, on a encore refait le costume d'Ecstasy dans l'épisode 4, pour des questions de confort d'abord, parce que c'est très difficile de tourner quand on n'est pas bien dans le costume. Donc on s'est dit, bon, quitte à faire mieux, autant le faire vraiment, donc on l'a totalement repris et tout refait. Et Zakaral, il a un chouette casque, donc j'avais juré en fait qu'après les 6 casques, je ne ferais plus de casque de ma vie. Et j'ai eu le malheur de dessiner un casque à la tête de Zakaral au moment de faire le design, donc il a fallu faire encore un casque. Et ça s'est encore fait dans la douleur, avec beaucoup de ponçage, beaucoup de peinture, des anciens toxiques. Pour Pyrostrum, j'avais envie de faire un strum qui soit moins humanoïde que d'habitude, c'est-à-dire pas un masque et puis un costume. La gradation ascendante au niveau des strums, vraiment, c'est le truc qui m'impressionne le plus, parce qu'au début, on avait des trucs un peu tout pourris avec des masques de carnaval. Et là, on avait un vrai strum, comme dans les séries, avec du caoutchouc et une queue super longue et qui a l'air super machiavélique et tout.
Donc on a fabriqué une structure en mousse qui est portée sur les épaules et la tête avance de 80 cm par rapport à la tête de l'acteur. L'acteur ne peut que voir par terre par des petites ouvertures qui ont été faites dans la base du cou. On avait fait de gros progrès sur les épisodes 2 et 3 sur le côté technique, mais on jouait toujours aussi mal. Et c'est entre guillemets dans les premiers reproches qu'on a pu avoir, c'est « Eh les gars, vous jouez mal ». Le côté technique, les effets spéciaux, enfin quelque chose qui avait vraiment beaucoup de gueule et un jeu d'acteur qui était très très en dessous. Ça me paraissait intéressant de remettre un petit peu à niveau, avoir quelque chose de plus léché au niveau du jeu. On a eu une préparation avec Dicoman qui nous a préparé presque physiquement, on va dire. J'ai essayé de leur donner quelques techniques au théâtre et essayer de les adapter au film, ce qui n'est pas toujours évident parce que ça fonctionne pas de la même manière. Blue, Black, cherchez s'il y a des blessés. Et toi, tu es mort. Quel que soit ce qu'on joue, que ce soit une grosse farce, que ce soit du Sentai, que ce soit du Corneille ou quoi que ce soit, il y a une dimension de rêve, hein. il faut créer quelque chose à partir de rien. Et ça se fait pas comme ça, je pense qu'il y a vraiment un gros travail de création. Et voilà. Même avec un profil psychologique simple, hein, qui est effectivement celui du héros de Sentai, il y a quand même quelque chose à faire sortir, donc moi ça me paraissait intéressant. Et il est très très exigeant vis-à-vis de nous, pour qu'on progresse le mieux possible, donc effectivement il est un peu dur avec nous. Oui. Ah oui. Oui, lui, oui. Non. Et il tergiverse pas, il dit t'es assez nul, il faut que tu refasses. Quoi? Non. C'est pas comme ça que tu claques une portière. Je veux plus de... Déjà, tu mets déjà de la pêche là-dedans, oui, dans ce geste-là. On donne tout ce qu'on a et à son fit, il nous regarde en disant c'est nul, recommence. Voilà. Et oui, ces petits scouts se sont fait engueuler par Dico. Eux aussi, ils ont peur maintenant. Il sait engueuler les autres et ça, c'est parfait pour un tournage. De toute façon, c'est ça le travail du directeur d'acteur, c'est de dire non, ça va pas. Non, c'est plus. Voilà. Il va péter la fesse, c'est pas grave. Tout le monde dit oui, Dicoman, il a apporté à France 5 un meilleur jeu d'acteur. Ben moi, il m'a apporté de me libérer les mains. J'avais les mains libres pour vraiment me concentrer sur la technique et je pense que ça se ressent. Le film est plus léché au niveau des cadres, des lumières, des mouvements de caméra. Il y a un meilleur travail et ça, c'est grâce à lui aussi. Et toi, qui es-tu? Je suis Zakaral, prince héritier de l'Empire Lexos. En fin de saison, dans les Sentai, il y a toujours un super grand méchant qui déboule pour remettre les pendules à l'heure avec les autres généraux. Patrick Giordano, c'est celui qui joue Zakaral dans le film. C'est un fou, d'où son pseudo lorsqu'il était dans la presse, Matt le Fou. Il est passé à Amstrad 100%, à Player One, à Game One, il a fait Game Production, il a fait de la BD, il a même fait des groupes de rock. Il nous a beaucoup aidé depuis le début, il nous a poussé à faire nos délires et tout. Donc sur France 5, il nous filait des coups de main, il nous prêtait du matos. Quel meilleur moyen de lui rendre hommage que de lui donner le personnage du nouveau méchant, celui qui est terriblement charismatique et terriblement dangereux. Alors, j'espère que Aramis est bien mort. et en même temps, quand il prend ses petits yeux fous, on a vraiment l'impression qu'il a l'air d'un psychopathe. J'adore les méchants dans le Sentai. Ils sont toujours bien, les filles un peu sexy, tout ça, je trouve vraiment les costumes, c'est un peu... Les gens vont trouver ça kitsch, mais moi je marche, j'aime la kiss, j'aime un peu les trucs comme ça. Et c'est ce que j'aime bien dans le Sentai, quoi, c'est que c'est à fond dans le truc. Quoi. J'aime pas trop faire l'acteur, mais bon, en même temps j'ai rigolé, puis ça m'a touché, quoi, parce que j'adore ça, et j'adorais le 1, le 2, le 3, l'évolution en plus, mais dès le 1, j'ai aimé, quoi. Meilleur soldat. D'ailleurs, ces stratégies alambiquées n'ont que trop duré. Je propose une éradication pure et simple du problème. Alors écoute, on est dans la forêt de Soleil Chartreux. Là, on va tourner la scène de combat du début de l'épisode. Ça, c'était de la grosse organisation, hein, niveau logistique. Donc il y avait à la fois tous les François en civil et tous les François en costume, avec plein de panneaux. Thank you.
c'est vraiment une de mes scènes préférées. Là, vraiment, c'est vraiment le goût du Sentai. Je crois que c'est ce qu'on a fait de plus complexe et de plus complet d'un point de vue combat Sentai. On a répété des patterns, on les a fait 50 fois s'il le fallait pour que le récupère soit bon. Dont je rêvais depuis longtemps, le raid qui pourfend une lignée de panneaux, j'avoue que je la réclame depuis un petit moment. Oh la vache! Malencontreusement, l'épée a heurté mon doigt et s'est cassée sur mon doigt. Ah oh ouais, et qu'est-ce qui tape des panneaux avec l'épée aussi? L'épée s'est cassée quoi. C'était le matériau était pas terrible. Donc bon, on a dû garder une scène qui était pas trop mal, mais on n'a pas pu en faire autant qu'on voulait. Gavan, qui était sous le costume en fait, voyait pas grand chose. Et quand il est arrivé vers le panneau, donc c'était moi le panneau, je devais partir en salto arrière sur l'hypercute. Et en fait, il m'a marché sur le pied au moment où j'ai déclenché mon salto arrière. Ce qui fait que j'ai eu une bonne petite peur parce que démarrage en salto arrière, arrêté en plein milieu de la rotation et grosse chute sur le dos. Donc j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de cailloux en dessous. Combat, on reste concentré. Comment dire, chaque personnage en fait a son style propre, hein. Et ça aussi c'est très caractéristique du Sentai, on l'avait pas forcément de manière aussi marquée précédemment. En regardant en fait les Sentai, dans les séries, on remarque qu'ils accentuent juste à la fin, mais c'est plus une expression corporelle que de la tête. Bien compris. C'est juste un petit mouvement comme ça et très sec, c'est pas bien compris comme ça, qui faisait un peu exagéré dans le 2 ou dans le premier par exemple. Tous les week-ends, je regardais du Rickinger avec Thielen. Et on faisait des arrêts sur image en disant « Oh, regarde, là, à ce moment-là, la surprise, ça se bouge comme ça, ça se joue comme ça. » 1, 2, 3, 4 Première fois, on avait fait appel à un directeur photo qui nous a sculpté la lumière. Donc. Voir Christian régler toutes les lumières, prendre tout son temps pour bien régler chaque cadre, chaque éclairage, effectivement, on ne pensait pas être vraiment sur France Fèvre. Et c'est vrai que la mise en place d'un éclairage convenable, enfin travaillé, ça prend beaucoup de temps. Alors que moi, j'arrive, je mets ma perche, bon, tout de suite, c'est parfait. Allez, allez, prof. Une bonne nuit de sommeil, vous serez d'accord. Pour ce tournage-là, on était dans les locaux qui nous ont été prêtés aimablement par Chinkel. Et donc, il fallait bien sûr faire attention parce que c'était des locaux qui étaient tout neufs. Et Black Beaujolais a fait donc une belle connerie, on peut appeler ça comme ça. Il est rentré dans la salle après avoir marché dans une crotte de chien. Et personne ne s'en est rendu compte, sauf à un moment, quelqu'un a dit « Mais ça pue ici, qu'est-ce qui se passe ?» On a rallumé les lumières, on s'est rendu compte que la moquette était maculée de crottes de chien. Et donc, il a fallu qu'on nettoie tout à 2h du matin. Five, quelle merde. Voilà. Ça devrait aller, ma. Ensuite, pour le QG des méchants, on est allé encore une fois au studio Schinkel, qui nous ont encore gentiment prêté leur grande salle. Donc encore merci à eux. C'était un peu bizarre quand même, parce qu'on on est dans un grand studio et puis il y a un drap vert qui est tendu derrière nous où on sait qu'il va y avoir des choses incrustées. On avait un peu du mal à s'imaginer à quoi ça va ressembler au final. On aura un côté où on va tourner ici et l'autre côté où on va tourner le passage conventionnel autour du trône. Il y a un verre, vous voyez, sous les cheveux. Et puis on remonte tous les cheveux autour, on attache et on les essaye. Le QG des méchants du 4 était à mon avis beaucoup plus facile à tourner pour tout le monde. Premièrement parce qu'on était préparé à nos textes, qu'on avait appris et répété. Deuxièmement parce qu'on est beaucoup plus organisé. Ouais, la scène de retrouvailles avec Zach Aral est une scène effectivement que j'apprécie énormément. En fait, c'est des scènes qui ont été scénarisées par Grégoire Hello.
et dont les dialogues ont été remanipulés par notre Audiard moderne, qui n'est autre que Jean Kerr. Ah, c'est clair que pour exprimer la colère et d'autres sentiments d'orientation négative, dirons-nous, il n'a pas son pareil. Je suis aussi le jour où tu as décapité tes 18 frères. J'ai accouru aussitôt votre appel entendu, père. Mais quel est ce scélérat qui ose tenir tête à l'empereur de l'univers? Mais enfin, maître, qu'ai-je fait pour mériter ça? La scène où Pink infiltre la base d'Exos, ça c'est vraiment un hommage à Gaban, donc Xor. C'est quelque chose qu'on voit dans la série avec Oba Kenji qui s'infiltre dans les bases des Cerex. Et Greg l'a mis dans le scénario vraiment comme un hommage. Et moi je l'ai tourné comme un hommage. Et Yannick, quand il a fait la musique, il a fait un hommage à Xor aussi. Je me souviens particulièrement du jour où il y avait le mec qui est venu pour les explosifs. C'est vrai que la première fois qu'on a su qu'on allait avoir des explosifs, on était assez joyeux parce que jusqu'à présent c'était des pétards avec de la farine, bon ça rend pas trop mal, mais il n'y a pas de flammes, de belles flammes comme eux ils ont les vrais. Et puis bah, Alex avait un pote qui était artificier et il nous a dit bon bah ok moi je vous facture juste l'essence et le truc et boum, voilà. C'était super flippant de se retrouver au milieu des fils comme ça où ils nous disaient bon alors là faut pas marcher là. T'as plu, Alex? Prêt? Action! Attaque! Le shihenge, c'est essentiellement une technique qui est associée au personnage féminin des Sentai, qui consiste à porter successivement différents costumes pour plutôt dérouter l'adversaire. Et c'est quelque chose d'un peu curieux, mais qui fait partie de la culture Sentai. Quand on a découvert ça, on s'est dit, bon, bah, c'est l'épisode de Pink, il faut clairement qu'on le fasse. En même temps, c'était marrant, en même temps, c'était difficile parce que c'était à chaque fois très, très, très rapide, qu'il fallait changer de costume et il fallait rentrer tout de suite dans un. C'était genre un genre de mini création de personnage sur quelques secondes. Entre deux prises, il faut penser à nourrir la bête. Tiens, mon bébé, tiens. Le nouveau monstre, il faut bien dire qu'il est plus beau de loin, mais très, très difficile à porter. Et en plus, il éteint sur les vêtements et ça, c'est vraiment très, très chiant. Il y a quelques acteurs qui se sont plaints du fait que Pyrostrap déteignait un petit peu partout. Il m'a flingué 4 paires de chaussettes quand même. Et mes pompes. Bah moi je garde un bon souvenir du tournage sur le campus de la fac, où en fait c'est l'apparition de Zakaral. C'était relativement calme. Il n'y avait pas de son parasite, pas trop d'avions, pas trop de voitures, pas trop de gens. Alors, ça se passe bien? On m'avait pas dit que les panneaux, ils se faisaient toujours niquer. Hein. Bon, moi, avec le costume, je passe pas inaperçu, quoi. Donc, quand j'avais le costume, en plus, avec la chaîne et le monstre attaché, qui courait derrière, et derrière, t'as des gamins qui passent et qui se demandent, bon, même on leur dit « faites moins de bruit », ils hallucinent, quoi. Ça c'est rigolo aussi. Ils se sont enfuis comme des lâches. Alex m'a demandé de courir vers lui. Évidemment, comme je poussais des hurlements que j'entends pas très bien à cause des épaisseurs de mousse, j'ai pas entendu que quand il m'a dit stop, 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 donc j'ai continué à courir et je vais marcher dessus sur lui et sur sa colère. Oh putain! Ça s'est bien passé, c'est un petit peu dur au soleil. J'ai été extrêmement drôle, comme à mon habitude, et en plus j'ai bronzé et j'ai un badge poussifeux. Alors, à partir de là, je vois pas comment je pourrais ne pas être heureux. Alors, comment ça s'est passé Dur Snake, l'expérience Panou? C'est pas mal, j'aime bien le rôle, j'étais bien dedans. Vous allez commencer à faire vos grands mouvements de bras et me sauter dessus. Je vais alors m'énerver et vous mettre au tapis. Puis, au moment de fléchir, vous allez unir vos forces et me vaincre une fois de plus. Ça, c'est le petit caprice d'Alex. Il a toujours rêvé de voir ça, il l'a jamais vu à la télé ou quoi. Il dit oh, j'aimerais bien voir ça et tout, parce que c'est toujours pareil. Donc, il y a toujours ce moment où le héros est à terre,
le méchant arrive, et à ce moment-là, le héros se relève, on sait pas, avec l'énergie du désespoir, on ne sait pas quoi, et le terrasse, alors qu'il avait aucune chance, qu'il était en sang, il était éclaté par terre. C'est pour ça que Warduk arrive et prédit le combat tel qu'il devrait se passer habituellement. C'est comme si Warduk, tout d'un coup, il avait compris qu'il était qu'un personnage de Sentai, et que ça l'énervait profondément. Et moi, ça m'amuse beaucoup. De toute façon, Warduk est plus ou moins dans ses derniers retranchements à ce moment-là, puisque Zakaral est arrivé, il a déjà pas mal d'échecs à son actif. Donc là, vraiment, c'est où il se fâche pour tout flinguer une dernière fois ou rien du tout. Tout naturellement, c'est venu. Bon, moi, j'aime le catch. Voilà, ce n'est plus un secret à présent. Ah, en plus, elle est portée. Ouais. On a répété les différents mouvements au gymnase avant, et il m'a épaté par sa connaissance de tous ces mouvements qu'il pouvait voir à la télé. Ce qui est très important aussi, c'est qu'une prise de catch, ça se fait pas tout seul, c'est-à-dire que c'est pas moi qui prends un mec pour le retourner comme une crêpe et le jeter en l'air. Si le gars en face ne comprend pas ce qu'on va faire, on va pas y arriver. Donc la confiance, j'avais confiance en lui, donc c'est bon, j'y suis allé, mais c'est vrai qu'il y avait toujours le petit stress, là on se dit oulala, si jamais ça marche pas, il va y avoir de la casse. Je connais pas l'enchaînement, donc on verra bien. C'est peut-être à moi. Dans ces cas-là, ça veut dire que je vais avoir mal. Et c'est vrai que quand on regardait par terre, on était quoi, à 4 mètres, peut-être 4 mètres du sol. Donc il fallait pas tomber. Donc on n'est pas tombé, donc ça tombe bien. On s'est aperçu que j'avais un pull à col roulé après avoir maquillé et mis la perruque, donc on va. Ah la merde! On va trouver un super subterfuge. J'ai moins froid et en plus j'ai la classe. C'était quand même quelque chose comme demander de faire méga scène d'amour, sentiments, émotions, sacrifices. Moi qui n'ai pas de formation d'acteur, comment est-ce que je vais faire ça? Bon, là encore, Dico a été vraiment le sauveur. C'est trop, c'est too much. Comme en vrai. Voilà, vous ne serez pas déçus. Sophie, je t'aime. C'est vrai que là, c'est un cas où on s'est dit, bah, on va jusqu'au bout. Voilà. On le fait vraiment, même si d'après ça va être la honte. Et là, voilà, dans le 4, on était dramatiquement énorme. Ce qui fait que ce n'est plus dramatique, c'est ridicule, mais c'est super. Donc c'était à la fois intéressant, difficile. On a eu des conditions de tournage qui étaient vraiment pénibles parce qu'il faisait moins 4 degrés. Et, voilà. Quand on dit aux acteurs, mais si, mettez-y de l'intention, qu'ils sont bleus, bleus de froid, c'est pas toujours évident. Je pense que ça se ressent peut-être un peu dans le jeu parce que quand on se gêne, on est moins détendu. Quand il fait 0 degré et qu'il faut se mettre en condition pour tourner, c'est super difficile, mais on se motive. Puis il y a tout le monde autour qui est hyper motivé. Donc, ça finit par se faire et puis au bout de quelques minutes, on est dans le personnage, dans la scène, dans... C'est fini, Ecstasy. Demain, ce sera Sophie. Théa! Ah, si j'avais su... Nous sommes le 17 janvier 2004 et nous sommes en train de faire du doublage. Marron. Paltoquet. Alors l'intérêt de venir ici, c'est que bon, à part les facilités pour mettre plein de personnes, c'est que toutes les salles sont super insonorisées et prévues pour qu'on puisse avoir une ambiance sonore très très clean. Ça a été infernal, on avait en plus peu de temps, il y avait problèmes techniques, etc. Je voyais pas comment on s'en sortait, c'est vrai qu'à la fin, je suis bon allez, c'est pas grave. Vas-y, dis ton truc n'importe comment. Ah, Blue. C'est donc ça, les tout-puissants France 5.
Professeur, nous avons été touchés. Margarine, estimation des dégâts. C'est la fin. Il y a plein de nouvelles choses, plein de collaborations avec d'autres personnes. Enfin, je parle en l'occurrence des Romanesques, qui font une chanson. Alors les Romanesques, donc, c'est un duo de chanteurs japonais qui se produit dans des cabarets en France. Et bah, moi j'avais beaucoup aimé leur univers et j'aimais bien leur musique aussi. Donc quand il a fallu trouver une BGM pour la scène finale, bah, j'ai eu envie de leur demander si vous voulez bien nous faire une petite musique, une chanson pour cette scène-là. Et ils l'ont fait et voilà, ça donne ça. Moi je suis très content d'avoir une espèce de ton un peu particulier sur cette scène romantique. Il y a aussi un maquettiste professionnel qui fait le vaisseau d'Elexos. On avait d'abord fait des essais en 3D. Il y avait Aurélien qui avait fait un très beau modèle 3D du vaisseau à partir des designs de Gavan. Malheureusement, le modèle, une fois intégré dans l'image réelle, passait mal, quoi. Ça faisait vraiment image de synthèse. On a donc décidé de faire une maquette et on a rencontré Natsusaka qui, lui, est un professionnel de la maquette. Il a accepté de nous faire une maquette gratuitement pour France 5, très gentiment. Je pense qu'il y a vraiment le plus là pour l'instant de France 5 depuis l'épisode 3, c'est les musiques qui sont composées spécialement pour l'épisode, donc qui sont de la durée adéquate. Yannick n'habite pas à Paris, donc on communique exclusivement par internet. Je lui envoie les scènes par internet, il me renvoie les musiques. Et au lieu de céder à la facilité et de réutiliser toutes les musiques du 3, il a entièrement recomposé toute la bande originale de l'épisode 4. Il a gardé quelques thèmes, mais il a tout repris à zéro. Et d'une manière générale, il a fait un très très bon travail. Il y a des musiques dans l'épisode 4 qui soutiennent parfaitement l'action. On a eu une grosse surprise. Après l'épisode 3, on a été contacté par Akira Kushida, qui est un chanteur très connu au Japon. Il a chanté Ixor et ses suites, il a chanté Muscle Man. Il nous a proposé de nous faire un générique pour France 5. Ça nous laisse sans voix sur le moment, parce qu'on se dit quand même, quelqu'un comme ça, il a d'autres choses à faire, et il fait une chanson pour nous. Ben, merci. そう、ですね、フランスファイブの映像前の見てますから、その次に、これで他のオープニングの曲聴いたんですね。じゃあ俺もオープニング歌いたいと、そういう形で考えてましたね。別にそのノーギャラとかそんなの全然関係ない。まあそういう歌作りたいっていうのはもうずっとあったんで、でましてヒーローモン作ったの初めてなんですね、自分で作詞作曲。 C'était vraiment c'était ardu, c'était long et laborieux comme tournage, comme préparation. Il y a eu beaucoup d'heures. Je pense que ça vaut toujours le coup de se faire chier pour ce qu'on aime, si le résultat en vaut l'effort, puisque de toute façon, moi, je pense que l'épisode 4, il est quand même réussi, c'est ce qu'on a fait mieux, il est plus abouti. D'habitude, quand on termine France 5, un épisode de France 5, il y a vraiment un gros décalage entre ce qu'on espérait, ce qu'on imaginait et ce qu'on obtient réellement. Là, avec France 5 4, le décalage, il se réduit, quoi. C'est-à-dire qu'on s'approche vraiment plus de ce qu'on... C'est pas encore exactement ce qu'on voulait, mais on s'approche. Moi, il me semble qu'il y a eu un progrès. C'est vrai qu'on n'est pas encore... au top. Pour tous ceux qui jouent en arrière-plan, je pense qu'il y a vraiment un mieux, mais net. Parce que les gens, Nico a bien fait attention à ce que des gens qui étaient en arrière-plan jouent aussi. On a fait d'énormes progrès en 4 ans, mais justement, le problème, c'est que ça fait 4 ans qu'on fait ça, donc on s'est connus milieu, fin de fac. Maintenant, la plupart de l'équipe bosse. Alors, on a moins de temps, mais on a plus de moyens, donc peut-être que ça se ressent un petit peu la façon dont on aborde les problèmes matériels. Moi, ce que j'aime dans les Sentai, c'est les robots aussi. Et les robots, il n'y en a pas.
Et j'ai vraiment lutté, alors faut savoir que j'ai lutté très très fort pour qu'il y ait des robots. Quand les gens pensent amateurs, ils se disent c'est le gros foutoir, tout le monde fait n'importe quoi, et en fait là c'est super sérieux, c'est quand même assez bien organisé. Moi je suis très déçu qu'il n'y ait pas de robots, vraiment. Je pensais que ce serait vachement plus le bordel sur les tournages, qu'il y aurait vachement moins de sérieux de la part en particulier des acteurs. Et voilà, mais finalement moi je trouvais que tout s'était super bien déroulé, qu'on travaillait bien, efficacement. Les gens sont tous très concernés, même les personnes qui font les costumes, tout le monde est vraiment très très concerné et concentré sur le tournage, ça, c'est ce qui m'a marqué. Personnellement, j'éprouve une grande satisfaction à jouer dans France 5 en tant que cascadeur, parce que déjà, par rapport à la réaction des gens quand ils voient les épisodes, je sais que j'ai ma place et que je sers à quelque chose. Hein ? Bonjour, je m'appelle Aurélien et je suis cascadeur. C'est vrai que c'était éprouvant au niveau du temps demandé, au niveau des exigences qu'on avait. Et bon, bah, c'est encore loin d'être parfait, hein, mais je pense que c'est mieux. France 5 n'aurait jamais pu aboutir sans des gens de bonne volonté qui étaient prêts à s'emmerder et aller sacrifier des instants de leur vie, du de temps, l'argent. De l'argent Normalement, il y a un moment où bon, ça va, quoi. On travaille, on passe à autre chose, on n'a plus le temps. On a d'autres centres d'activité, quoi. Et ce truc-là, France 5, c'est un peu un miracle, quelque part, que ça a pu durer autant, quoi. Ça a duré 4 ans, ça, je trouve ça incroyable. Encore, elle va me manquer, elle aussi, ouais. D'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons que Jean-Marc. Mais tu disais pas ça hier soir. Tu remettras ton costume en cuir.